Juppé offert la possibilité à Van Mauricien faire une troisième dose de vaccin, ce qu'ils appellent une dose boost. Qui fait nous peut faire ça? C'est parce que c'est faux, vaccination peut avancer. Comme on connaît en termes de première dose de vaccin, aujourd'hui, 91% de ban adultes mauriciens, in fini, gagnent une première dose de vaccin. Ça veut dire 91% de ban adultes, in fini, rentrent au cimé vaccination. Et plus des deux tiers, à peu près 68% de nos populations en général, in fini, fully vaccinated. Depuis quelque temps, grâce à vaccin Pfizer qui finit d'arriver, nous finissons commence à faire vaccination à un adolescent entre 15 à 17 ans. Et au moment qu'il nous peut causer, plus que la moitié de un adolescent entre 15 et 17 ans à Maurice, il finit, gagne une première dose de vaccin et un quart, il gagne double dose, il fully vaccinated. Donc, nous peut continuer à avancer là aussi mes vaccinations. Mais comment nous connaît ce virus-là, c'est un virus difficile à mater. Conti réinvente lui-même. Et à travers le monde, nous trouvons une courbe qui montait, qui descend, qui remontait, qui redescend. En ce moment, la Russie, l'Angleterre, la Chine font face à une remontée de Covid. Donc nous, nous visons redoubler de vigilance. Ce qui nous peut faire en même temps qu'il nous paie continuer les efforts pour vacciner tout le monde avec les deux doses de vaccin, nous avons ces efforts vis-à-vis de ban adolescent, mais nous paie aussi offrir une booster dose. Maurice, c'est un rare pays, il paraît comme un pays développé, qui est le seul pays qui peut offrir une booster. Aujourd'hui, dans Maurice, nos populations, et n'a la chance, probablement le seul pays dans la région Afrique, océan Indien, qui est capable de gagner un boost. Qui fait à nous faire un boost? C'est parce que, comme tout vaccin, quand vous faites le vaccin, il prend un petit temps avant d'y arriver sur full efficacité, et après, une bout de temps sur efficacité baissée. Vaccin à la grippe, nous fait aller tous les ans. Et vaccin contre Covid, c'est que la science peut dire à nous, c'est qu'il besoin renforcé. Et dans Maurice, nous avons un comité de vaccination nationale qui fait office un peu d'un conseil scientifique et l'IFIN recommandé qu'à partir de 4 mois, nous capables de faire sa booster dose-là. Sa booster dose-là, elle est disponible pour n'importe qui du monde qui ne fait sa full dose vaccin avant. Mais en particulier, ben, des gens qui sont plus vulnérables, ça veut dire qu'ils ont un système immunitaire plus affaibli, soit parce qu'ils ont les autres maladies. Et nous connaissons à Maurice nos populations, par exemple. Il y a un très fort taux de diabète. Mais tout des gens vulnérables et tout des gens qui souhaitaient, sont capables de faire sa troisième dose. Là. Le ministère de la Santé peut faire un travail immense pour guetter date par date. À mesure que les gens finissent à travers les 4 mois, pour un vide viennent faire une troisième dose. Le gouvernement tient toujours ou les donne l'exemple. C'est le 5 mars 2021 que le Premier ministre, accompagné de ban ministre, donne l'exemple avec une première dose. Dans le mois mai, nous finissons faire une deuxième dose. Et aujourd'hui, à la demande du Premier ministre Pravin Jugnauth, tout ban ministre du gouvernement devine faire zot booster dose. Ensuite, tout de suite après.